circulation bloquée au niveau de Dar es Salaam. Comme vous pouvez bien le constater, les jeunes règnent en maître pour le moment. Ces conducteurs de taxi moto sont quand même permis de circuler par les manifestants. Nous sommes à Dar es Salaam. On va donc reculer. Voilà. Laisse-nous travailler. Ah ouais, va, il faut partir, hein. Laisse-nous travailler. Continue ton chemin. Yo, ça fait la caillère, tu vas dire, yo, sur caméra, dis. Continue ton travail. Donc, vous avez compris, non? Qu'il est très difficile, lui, très difficile de continuer, puisque là, la circulation est complètement barricadée. Et nous sommes même... Alors que vous voyez que les jeunes sont en train d'être en tout cas pour le moment difficile ou impossible même de rallier Bambeto, plutôt Hamdallah, pour ceux qui connaissent un peu la situation géographique de cette zone. Vous pouvez bien constater que les gens, les manifestants sont hostiles même aux journalistes. Et il faut noter que ça se passe sous la pluie. Pour le moment, la police est derrière les manifestants. Et ces nombreux usagers sont obligés de rebrousser chemin. Vous êtes en direct sur la page de Gangan TV, la page officielle. Bien sûr, et il faut noter que cette manifestation fait suite à l'augmentation du prix du carburant, alors qu'on voit maintenant les forces de l'ordre qui foncent vers ces jeunes pour les disperser, certainement à coup de gaz lacrymogène. Et on assiste à du face à face. Et comme vous pouvez bien le voir, quelques taxis motards quand même sont ont le courage, alors que vous voyez les jeunes manifestants foncer vers nous, peut-être pour nous empêcher de filmer, et nous reculons. Et lui. Alors que vous voyez que d'autres personnes s'opposent à eux pour les empêcher de nous lapider, pratiquement. Taxi, Fox, replie. On y va, on replie. Ils sont très hostiles, ces jeunes. Alors que maintenant, les renforts viennent. Quitte derrière, maintenant, les renforts viennent pour les disperser. Vous pouvez bien le constater, la gendarmerie qui vient en force. Voilà. Et cela permet à ces multiples usagers de passer. Ils étaient nombreux. Ceux qui étaient empêchés de traverser cette zone.
pratiquement pour... La gendarmerie qui rétablit l'ordre. Il n'a pas la vis de passer derrière nous. De l'autre côté, vous constatez hein, que la police aussi vient en face de nous. Fox. C'est quand même très chaud de ce côté, très très chaud. Ah, je pense que la situation pourrait être maîtrisée ici, puisque nous voyons nos forces conjointes, la police et de la gendarmerie, prendre d'assaut cette zone. Pourquoi? Du gaz de plein fouet, on est obligé de reculer. Vous avez vu, ces garagistes sont obligés d'enlever leur véhicule puisque la situation est très tendue ici. Alhamdoulilah, Dar Salam, je voulais dire. Vous voyez le calvaire de ces citoyens qui ont été surpris par la situation. Télé et la radio au cœur des grands événements et de l'actuel transport. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui aimez suivre la phase de Gangan, contentez-vous de ça d'abord, à moins que nous prenions la peine de nous rappeler. De manifestation où que vous soyez dans les 5 communes de la capitale ou les 6 communes puisque nous parlons désormais de Kata aussi et les villes environnantes pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée un peu partout dans le monde entier nous nous rapprochons pratiquement nous venons au cœur à l'épicentre de ce mouvement restez donc connectés vous pouvez bien voir cette situation tout à l'heure. Des jeunes sortent derrière, de ce côté. Il faut donc foncer, nous n'avons pas le choix. Les larmes coulent, le nez aussi. Donc les forces de la gendarmerie fortement déployées ici. Nous sommes à Wanindara Pont. Je voulais dire Dar Salam Pont.
constater. Je pense que la gendarmerie se retire pour... La situation est quand même très tendue ici. Les jeunes qui se retranchent dans les ruelles. Qui ne déroge jamais à la règle, aujourd'hui encore, qui est sorti. Alors nous vous revenons tout à l'heure, restez donc connectés sur Ganga et pour plus d'informations, plus de précisions, suivez notre page le grand journal, la grande édition de la rédaction politique de Ganga. A tout à l'heure, nous vous revenons encore dans quelques 10 à 15 minutes. En tout cas, pour vous donner l'évolution de la situation.